Maintenant, on va s'attaquer à la deuxième partie. Alors, normalement, on devrait prendre elle pour hacker. Comme ça, lui, il peut s'échapper, mais on va faire un peu d'histoire. On va faire le test des tours. Psychoscope, hypno... On a déjà pas mal d'armes en réserve, donc on n'en a pas besoin. Je pense qu'on a besoin de rien, vraiment. Peut-être un peu de kit de secours, juste au cas où. Des neuromodes, non. Ça, on en a, et on peut en crafter plein, donc ça va. À la limite, je vais prendre... De chaque... Genre pour enlever les debuffs, quoi. Juste au cas où. Ah oui, il nous faut ça. Module de commande, on n'a pas besoin. Enfin, de toute façon, on peut en crafter aussi. Donc on va prendre ça. On va prendre pouvoir psy. Et voilà. Donc on a fait déjà le tour de la lune avec la première, donc ça va vraiment pas être dur du tout. On a quasiment tout fait. On a réparé les choses, on a tué tous les ennemis, la plupart des ennemis. On a des très bonnes armes. Donc il n'y a pas de problème, il n'y a pas de risque. Attention. En raison de conditions atmosphériques dangereuses. Une tempête de poussière. Veuillez utiliser un dispositif respiratoire et rester à l'intérieur jusqu'à résolution du problème. Alors, on va prendre ça, ça. Les balles. Il manque des cartouches. Normalement, c'est quoi ça? Cartouche de fusil. Ah non, c'est des balles de flingue que je veux. J'ai pas de balles de flingue. Ah non, on en avait pas. Ouais, à la limite, c'est des balles de pistolet qu'il nous faudrait. Évadez-vous, consultez vos emails. Donc on va faire ça. Ça, on le fera après. On a déjà la puce, donc ça va. Toucher un tisseur avec le canon à glu. On va prendre le canon à glu sur nous. Merde. Ah, et on est bon. On est bon, on a toutes les ressources, on est bon. Très bien. Tiens, balle de flingue. C'est pas grave. Quoique. On va prendre le flingue sur nous quand même. On sait jamais. Allez. Oh, putain. Voilà. Alors, le bloc mémoriel, il est là-haut. Est-ce que le requin est toujours bloqué ? Pas l'impression. Si. Ouais. Bon. Il n'y aura pas de requin à nos trousses. J'arrive.
Il est où le bloc? Il est là. Riley, ici Noël Benson. Je crois que... Ah, Benson. Vous êtes nouveau, n'est-ce pas? Eh bien, je... Évidemment. Votre navette est arrivée le 3 décembre. Un transfert de notre antenne Nord. Avant cela, vous travaillez comme adjoint sur différents projets subventionnés de faible envergure. Rien de cela ne vous autorise à vous adresser à moi de manière si familière. Je ne voulais pas... C'est waouh, moi, la responsable, ou Dr. Yu. Choisissez. Oui, Doc... Madame Yu, veuillez m'excuser. Maintenant, que me voulez-vous? Je voulais simplement signaler que les tours du cratère sont prêtes pour un test grandeur nature. Vous avez résolu le problème d'alimentation? Oui, enfin, presque. Les modules de commande explosent après chaque activation. Mais les résultats sont positifs. Tous les typhoons alentours sont réduits en miettes. Tous. Et les sujets humains dotés de neuromodes Typhoon? Nous avons mené plusieurs tests sur P00. Dès l'installation de plusieurs neuromodes supplémentaires sur le sujet, il a été détruit, comme le Typhoon. Beau travail, Dr. Benson. Je vous activer moi-même les tours pour le test grandeur nature. Oui, madame la directrice. Je pense que le Dr. Boyle est actuellement en route avec les modules de commande. Tiens, étrange. Dr. Boyle? Claudette? Attendez. Oh shit. Il y a des choses qui se passent là. J'ai tellement de ressources, c'est énorme. C'est énorme de faire les runs avec la femme d'abord, avec l'ingénieur. Alors, concentrons-nous sur notre objectif d'histoire. Trouver les modules de commande. J'en ai déjà là. Voilà. Il en faut combien de modules de commande? Ou alors il faut les trouver. Poste de travail. Ah, c'est ça ? Ok. Ah, on va en devoir en crafter combien? 4? Putain. Normalement, on devrait avoir assez, j'espère. Module de commande. Ah, c'est tranquille. Sinon, on devrait en fait parcourir la lune entière. Attention, en raison d'une défaillance de ventilation, le cratère subit une tempête de poussière. Veuillez utiliser un dispositif respiratoire et rester à l'intérieur jusqu'à résolution du problème. On va faire ça aussi. C'est quoi la Typhoon Tower Control est là? Ouais, c'est Crew Annex et Moonworks. Là, il y a quoi? Il y a PTA Labs Control. Faut encore en faire. Putain, encore heureux qu'on ait assez de... Assez de ressources, du coup. Mais après, on pourrait en prendre genre d'autre chose, d'autre part. Bien. Yeah. Voilà, parfait. On est bon. Go!
Ah, faut le faire que un seul emplacement en fait. Le colteur détruit. Waouh, les dégâts quoi. Ok, donc à chaque fois ça éjecte les trucs, ça les détruit. Et après on peut les réparer par contre. Mais celle qui peut les réparer c'est l'ingénieur, donc on l'a déjà fait. Bon, on a fait ça, c'est cool. Et c'est tout? C'est ça son histoire? Bah merde. D'accord. Bon, ben, c'est ça. Ouais. Je pense que la difficulté de Dell c'est de récupérer les modules de commande. Moi, je suis un peu déçu parce que les autres ça durait quand même un moment quoi. Ouais non là c'est bof. Il y a plus d'action dans The Evil Within. Ouais là. Au moins ça va être vite réglé, c'est ça le truc, c'est que là, là on finit très très vite. Ah, je peux pas aller là. C'est pas grave. Fait des munitions. Non, c'est pas cette carte. Ah! Ça fait chier, on n'était pas allé là. Enfin, après, on a besoin de rien en fait.
Allez, on finit ça vite fait. Riley, la situation sur Talos One devient intenable. Il est temps de mettre en place les mesures dont nous avons parlé. C'est le troisième jour. J'ai besoin que tu copies tout ce que tu as sur l'opérateur superdonné que je t'ai envoyé. Les recherches, les connectomes, tout. Morgan avait raison. Les Typhoons sont tous reliés. Alex, t'es un enfoiré. Tout ce qui se passe là-haut finira par t'atteindre, si ce n'est pas déjà fait. Et il va sans dire que le conseil d'administration ne doit rien savoir. Ils en seront bien assez vite informés. Au boulot. T'es tellement une salope. On se tient au courant. Et fais attention, Riley. Je suis quasiment sûr qu'une taupe de Kasma travaille pour toi. Ça c'est bon. Bonjour. Normalement ça va foirer. J'ai rien dit. Avant de lancer cet opérateur, j'ai besoin que tu prennes une dernière précaution. Tu as l'appareil d'émulation que Morgan bidouillait. Utilise-le. Copie-toi avec. Non. Qu'est-ce qui me manque? Oui, ça peut paraître morbide, mais tu ne quitteras peut-être pas la Lune, pas la peine de se le cacher. Il restera au moins quelque chose de notre famille. Personne d'autre n'est capable d'encaisser ce qui va arriver. Après ça, je désactive Talos One. Je serai injoignable. J'espère qu'on se reverra sur Terre. Au revoir, Riley. Au revoir, Riley. Mais t'as fini le jeu principal, troisième jour, non? Allez, go, 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 go. Ah, t'as toujours pas fini? Je crois que t'avais fini. Bah, pour le moment, t'as rien eu de spoil, hein, parce que tu sais pas ce qui se passe. Y'a pas de problème. Oh, putain, merde. C'est con ce que je viens de faire. Oh la vache! Oh là là! Monte! Grimpe! Ah merci. T'as une petite idée de qui est son frère? Non, t'as pas. Non, t'inquiète pas, t'as aucune idée. T'as encore aucune idée. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Bon, là par contre, il va avoir du spoil, attention. Enfin, tu vas le comprendre si tu finis le jeu. Là, tu vas rien comprendre en fait. Début de la procédure. Capture et émulation de la personnalité. Source Riley Yu. Responsable de la station PTA 6, opérateur de classe superdonné Minerva 465. Capture et transfert terminé. Instructions supplémentaires trouvées. Début de la procédure supreview.bat. Destruction du sujet source.
Yay! Et de deux! Ah, nouveau message de Basilic. T'es sur Evil Within 2 mode classique et tu galères. Ah 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 ah. Ça m'a pris un moment moi aussi de le finir, mais il est vraiment bien ce mode. Ici Basilisk à module 13. Je viens aux nouvelles. Il ne vous reste plus qu'une mission. Ce que vous avez accompli jusqu'ici est incroyable. Cette dernière requête ne sera pas simple. Mais une fois terminée, vous aurez rempli votre contrat. Vous n'aurez plus d'obligation envers Kasma. Et Kasma n'en aura plus envers vous. Vous comprenez? Assurez-vous que... Enfin, je m'assurerai de vous y préparer. De vous préparer à votre dernière mission. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Basilisk terminé. Tout ça pour ça. Tout ça pour me dire que, en gros, je vais me faire tuer, c'est ça? Il n'y a rien d'autre à faire. Il n'y a rien. Moi, je veux monter. Je veux aller de là-dedans pour activer la clé. Enfin, bref. Voilà. Alors, suivant.